Monsieur le préfet du département de la Cuvette, mesdames et messieurs, la montée en puissance de notre hôpital ne dépend non seulement du professionnalisme et de la compétence de son personnel, mais aussi et surtout de la qualité du plateau technique auquel se greffe la présence du médicament et d'autres intrants. Le SOS, lancé par nos compatriotes admis au service de néphrologie de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba, a reçu une oreille attentive du côté des dirigeants de la Fondation de la Société nationale des pétroles du Congo. Est-il honnête de ne pas reconnaître les efforts fournis par cette fondation qui ne s'est pas fait prier pour voler avec promptitude au secours non seulement des malades, mais aussi de l'administration de notre prestigieux hôpital. L'année 2022 a vu la fondation SNPC doter notre hôpital en ambulances médicalisées et autres supports. Par cet acte, la fondation SNPC a concrétisé sa ferme volonté d'accompagner le président Denis Sassou Nguesso dans l'assistance aux démunis et autres personnes en détresse en répondant aux cris de cœur lancés par les malades admis en néphrologie par un soutien multiforme. Ce jour, la fondation de la Société nationale des pétroles du Congo offre à notre hôpital des kits et du matériel d'hémodialyse. Face à cet élan de cœur, le président du conseil municipal, maire de la ville d'Oyo, ne peut que, étreint par l'émotion et le souvenir exprimé au nom de sa population et à son nom propre, à la direction générale de la Société nationale des pétroles du Congo et à sa fondation, toute notre profonde gratitude. Monsieur le représentant du directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, monsieur le directeur général de l'hôpital général Elbo, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, chers collègues, le rôle de pionnier dans la responsabilité sociétale de notre pays que joue la Société nationale des pétroles du Congo par sa fondation ne fait plus l'objet de doutes dans notre pays, le Congo. Aujourd'hui encore, elle va poser un acte qui conforte cette position en offrant à la population congolaise une gamme de produits de soins spécifiques qui vont redonner espoir de vivre à nos populations en bénéficiant des soins de qualité dans cet hôpital général Elbo qui fait aujourd'hui la fierté de notre pays dans notre sous-région Afrique centrale. En effet, le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, j'ai cité Mekson Raoul Ominga, pour qui la réalisation de ce don tenait à cœur, s'est personnellement investi pour cet aboutissement heureux. Ce don de 33,5 tonnes que nous faisons à cet hôpital est constitué de trois types d'articles et devait couvrir pour une durée d'environ 18 mois les besoins de dialyse de l'hôpital. La remise de ce don aujourd'hui se situe aussi dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Société nationale des pétroles du Congo. Il y a donc dans ce don les kits, les machines de dialyse et des fauteuils. En ce qui concerne les kits, il y en a 3500 kits. Ils sont constitués d'éléments solides et liquides qui sont des dialyseurs, des lignes de son, des aiguilles fistules, des concentrés acides, des sets de branchement, des cartouches de bicarbonate, des désinfectants, des filtres d'endotoxine, des solutions salines. Deuxième type d'article, les machines de dialyse, communément appelées automates, il y en a trois. Ces machines vont permettre d'augmenter le nombre de malades à traiter par jour. Troisième type d'article, des fauteuils de dialyse. Et là, il y en a trois. Enfin, nous ne pourrions terminer cette présentation sans parler de la nouvelle ligne électrique
que la Fondation a offert à l'unité des mondialistes afin de contrer les ruptures de charge constatées souvent sur l'ensemble du réseau électrique national. De même, l'unité des mondialistes avait été dotée d'un forage industriel pour des besoins spécifiques de dialyse afin de la rendre autonome. Voilà comment la Fondation de la Société nationale des pétroles du Congo, cette entreprise citoyenne, continue de participer à l'amélioration des conditions sanitaires des populations et apporte sa contribution à l'édification de notre pays. Général Éduque-Aussi Bongo Ondjimba. Donc, au nom des agents de l'hôpital général Éduque-Aussi Bongo et à mon nom propre, je vous remercie. La fondation, c'est de procéder à la réalisation au profit des populations d'un certain nombre d'actions dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la lutte contre la pauvreté et puis dans les œuvres humanitaires. L'hôpital général Éduque-Aussi Bongo Ondjimba est le seul hôpital public qui assure les soins d'hémodialyse chez les malades souffrant d'insuffisance rénale chronique ou aiguë. Donc, nous avons fait des plaidoyers et aujourd'hui, grâce à la dextérité de la Société nationale des pétroles du Congo, et 2 ans après, nous avons eu gain de cause. Nous avons été dotés de 3500 consommables qui démodialisent, qui nous permettront de prendre en charge nos malades selon la circulaire signée par Monsieur le ministre de la Santé et de la Population. Nous sommes heureux et nous disons merci à la Société des pétroles du Congo pour ce grand don que nous attendions depuis. Et aujourd'hui, ça nous donne de l'espoir de vie, je le répète, pour ces patients.